jour déjà, la veille, fut un peu douloureux, on va dire. Donc du coup, un petit nettoyage à chaud, et après c'est reparti, donc vous devez entendre justement derrière l'eau qui est en train de bouillir dans la bouilloire, et ça va démarrer tout de suite, et nettoyer tout ça. Bon appétit. Salut à tous,
Voici justement le réservoir de 80 litres qu'on a à l'arrière du véhicule. 80 litres, je dis bien. Alors, 80 litres d'eau propre. Rien que de l'eau propre, on a un réservoir encore en dessous du véhicule qui fait 60 litres. Si je ne dis pas de bêtises, oui, 60 litres. Et du coup, alors ici, nous avons, je vais créer un petit système pour pouvoir connaître le niveau d'eau et savoir quand on arrive justement en fin de bidon, de réservoir, pardon. Et du coup, ben voilà, là, j'ai procédé au nettoyage sous la neige et après avoir mis du vinaigre et puis, comment on appelle ça, de l'eau bouillante, pour pouvoir nettoyer, j'ai rincé et puis là j'ai mis un peu de javel et encore du vinaigre avec de l'eau bouillante et j'ai laissé comme ça histoire que ça puisse bien re-nettoyer encore une fois. J'ai vidé tout ça, donc vous le verrez dans la vidéo. Entre temps il y a eu de la neige et là je vais refaire un rinçage à chaud pour pouvoir retirer justement un peu plus de javel au cas où ben, si on se sert du robinet et ne pas avoir un bout de javel dans l'eau. Et donc là on va pouvoir justement utiliser ça. Donc pour se laver c'est pas vraiment un problème s'il y a un petit résidu de javel, mais pour au niveau de la nourriture ça peut être un problème si on fait du riz par exemple, faire bouillir de l'eau, des choses comme ça, bon, il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de javel dedans, même si le fait de bouillir ça retire les tout ce qui est impureté, mais la javel n'est pas impureté. Donc du coup un petit nettoyage à chaud et après c'est reparti. Donc vous devez entendre justement derrière l'eau qui est en train de bouillir dans la bouilloire et ça va démarrer tout de suite et